Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Avant de commencer le cours, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Tu peux venir. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est le type de la caravane. Je vous invite à accueillir comme il se doit ce nouvel élève qui vous rejoint pour ce deuxième trimestre. Je compte sur vous pour lui montrer le lycée et les informations sur la scolarité à Copperdale. Je te laisse te présenter. Yo, moi c'est Kevin. Kevin Insec. Tu peux aller t'asseoir, Kevin. Et d'ailleurs, pour que ce soit réglé, Angela, je compte sur toi pour lui présenter les locaux après le cours, s'il te plaît. Oui, madame. Pas de souci, je lui montrerai. Et merde, j'ai mal au ventre. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes aussi contents que moi de retrouver les jumelles pour ce nouvel épisode. Épisode qui promet, parce que vous venez de le voir avec le machinima d'intro, il y a en effet un nouvel élève qui intègre la classe des jumelles, et ce n'est autre que Kevin Asek, le fils de Brenda Asek, foyer mythique également de la franchise des Sims 2, et plusieurs d'entre vous me demandaient quand est-ce qu'on allait enfin le voir. Eh bien, il est là, dans la même classe que les filles, et Angela, en tant que premier élève de la classe, elle est mal à l'aise, mais elle est chargée de lui présenter les locaux, le lycée et ses alentours. Et bien sûr, félicitations à ceux qui avaient bien trouvé qu'il s'agissait de Kevin Asek avec la caravane de sa mère. Bien joué. On se retrouve donc avec Angela et Kevin qui sont ensemble pour visiter le lycée pendant la pause du midi, même si je pense qu'ils pourront pas tout faire parce qu'il faut quand même manger. Mais en tout cas, vous allez le voir, je l'ai en effet intégré au foyer parce que sinon il apparaissait pas au lycée, même en le mettant avec un mode. Donc voilà, pour le lycée je vais le mettre et puis le soir je le réintégrerai dans son propre foyer. Aujourd'hui au niveau des objectifs, donc il y a plusieurs choses, ça va être en effet de lui faire visiter le lycée, de faire la journée de cours, et demain je vais vous montrer ça, mais il y a la journée d'orientation, voilà. Donc Angela va y participer, et je pense qu'elle ira d'ailleurs peut-être avec sa sœur et Kevin, on verra ça demain. On est donc parti. Lilith, quant à elle, elle est avec Dirk, son copain, ça va toujours, eux deux. Même si on ne pensait pas, mais en fait si, ça a l'air de se la couler douce. Et ici, alors, étant donné qu'ils étaient dans cette classe-là, elle va peut-être lui montrer le foyer. Je vais faire aller ici. Bon, apparemment, il sait mieux qu'elle parce qu'il est devant. Donc voilà, je te présente un peu le foyer. Ah, apparemment il fait froid dans le lycée. Ouais, elle a froid, mince. J'aurais dû mettre le chauffage. Vous me direz, il fait toujours froid dans les lycées. Moi, j'avais tout le temps froid. On va faire connaissance, ouais. Même si c'est plus... Bon, bah voilà, je te présente le foyer. Il n'y a pas grand monde en ce moment, mais ça arrive. Ah bah voilà, il y a quelqu'un. Oula, il y a quelqu'un qui arrive, mais alors là, c'est assez sympa, ça. Il y a le bonnet, un maillot de bain et un legging. Je vais lui changer sa tenue quand même. Alors, commode, tac. Changer la tenue. Ah, c'est elle en plus, c'est Axel. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans cette tenue-là? Je l'avais même pas reconnue. Ouais, c'est un peu mieux comme ça. Voilà, ici c'est le club d'échecs. Je sais pas si ça t'intéresse, mais au moins tu le sais. Et puis ensuite, bon là, elle va pas lui montrer, elle va juste lui dire en passant. C'est la prof qui se trouve là. Enfin, la proviseur plutôt. Ici, par contre, Yvon, elle est là. Bah, elle est où? Elle est là-bas. Bon, sinon, elle lui a juste dit, bah là-bas, si tu veux, tu peux aller voir. C'est la salle de spectacle. Voilà, donc on va dire que le premier étage est fait. Et maintenant, ils vont aller manger. Angela, elle l'a accompagnée, mais sincèrement, elle a pas très faim. Déjà, ici, on le voit. Et puis, je pense que elle se dit surtout en elle-même, non, j'ai pas envie de manger, je suis un peu stressée. Donc, ça la gêne un petit peu. Donc, ici, je vais peut-être aller la faire réviser. Et puis, elle va le laisser manger avec qui il veut, mais pas elle. Lui, il va commander, bah, pareil, un déjeuner de seconde. Je sais pas trop à quoi ça ressemble. Ouais, on dirait plein de petits trucs différents. Ah oui, et j'avais vu ça aussi en arrivant du matin. Il y aurait une séance de préparation à l'examen après les cours aujourd'hui, parce que comme vous le savez, c'est tous les vendredis. Donc en soi, elles ont passé les examens de fin de trimestre dans l'épisode précédent. Mais bon, pourquoi pas faire participer peut-être Angela. Ils vont en cours maintenant, donc Lilith, elle y est déjà. Ah, Angela, si ça va. Parce que je lui avais fait réviser sur le PC, j'ai peur. Ah, ils se retrouvent tous les deux en plus dans les escaliers. Comme par hasard. J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont s'asseoir. Qui va se mettre au bout? Ah bah ça m'étonne pas de toute façon, Kevin, je le vois plus au fond, surtout là, voilà, t'es nouveau, t'as pas trop envie de te faire remarquer. Pourquoi tu te lèves, toi?
Ok, donc comme vous pouvez le voir, en effet, elle a changé de tenue. Je pense qu'elle avait un petit peu froid. Avec le machinima, elle était en robe. C'est involontaire de ma volonté, mais bon. Elle est partie changer entre les midis. Bien sûr, Lilith, elle est toujours au fond de la classe. Faut pas déconner, quand même. L'entraînement de Pompom 6 d'Angela. Ah oui, c'est vrai, en plus, elle est entraînement. Ok. Bah, je pense, du coup, elle va s'entraîner. Kevin va peut-être traîner un peu dans le coin. Et après son entraînement, elle lui montrera le reste. Test de vitesse de frappe. Le professeur annonce que les élèves doivent taper 60 mots par minute pour réussir dans sa matière. Kevin ne comprend même pas l'utilité de la chose puisque tout se fait sur le téléphone désormais. Cela ne devrait pas poser problème de surfer sur un réseau social pendant le cours. De toute façon, cela a un vague rapport avec le sujet du cours. Non. Je sais pas. Je crois qu'il est pas trop réseau social, Kevin. Je le vois plus en mode baba cool. Il se prend pas la tête. Kevin décide que les risques sont trop importants, mais ouais, et se résigne à écouter le discours incroyablement long et incroyablement ennuyeux de l'orateur invité. Angela a impressionné, Kevin a impressionné, et Lilith, bon travail. Ok, pourquoi tu es énervé? Je vais faire essayer de se calmer. Bah vu qu'il veut se distraire, je pense qu'il va jouer au ping-pong contre Noah. Voilà, le but c'est qu'il se fasse quand même des potes à part Angela. Maintenant qu'elle est calmée, elle part à son entraînement. Bon, évidemment, on la verra pas faire. Hein. Comme vous le savez, elle disparaît quand elle y va. Et Lilith... prendre une douche, non, je pense pas. Hein. Je pense que Lilith, elle va rentrer à la maison. De toute façon, cet épisode va tourner surtout autour d'Angela, comme vous l'avez compris. Donc je pense que Lilith, elle va rentrer, oui. Par contre, je pense que Lilith, elle va quand même bien vanner sa sœur en rentrant de cours. Ce soir, parce que quand même, voir sa sœur toute mal à l'aise, sans trop comprendre pourquoi, parce que finalement... Personne ne sait qu'elle a croisé Kevin en promenant un chien dans le dernier épisode. Je pense pas qu'elle en ait parlé. Encore une partie de ping-pong terminée, vainqueur Kevin. Score final 3-2. En plus, je crois que Noah, c'est un peu le je m'en foutiste aussi, donc ouais, je les vois bien potes tous les deux. On va faire présentation amusante. Et pour vous parler un peu de ses traits de caractère à Kevin quand même, donc je l'ai mis pitre, fêtard. Voilà, vu qu'on peut en mettre que deux aux adolescents. C'est un gars cool, qui se prend pas la tête. C'est un peu pour ça qu'il a été, j'imagine, viré de son ancien lycée. D'où le fait qu'il soit là maintenant. Il va pas faire de vagues ni rien, mais plutôt, il est pas forcément très très sérieux. Ah, l'approviseur est triste apparemment. Angela est rentrée de son entraînement. Parfait. Et est-ce qu'elle est... Je vais la faire revenir ici, parce que pour moi l'entraînement c'est juste derrière. Ben je peux pas participer encore une fois, c'est vrai. Les révisions après le cours, mais vu qu'elle a son entraînement, c'est pas possible. Et maintenant qu'elle est là, parfait. Ils vont discuter tous les deux, puis elle va lui dire « Si tu veux, je te montre le reste, que j'ai pas pu te montrer ce midi. » Ah, ils se font coucou. Nickel. Donc le haut était fait, maintenant on va aller peut-être... Bah, il a vu le réfectoire. On va aller ici, discuter ici. Voilà, ils discutent là. Je te présente la bibliothèque, tu peux réviser et tout. Je pense pas que lui, ça soit très important pour lui cette pièce, mais bon. Pourquoi pas, au moins il le sait, et je pense qu'il peut aller sur le PC peut-être pour autre chose. Aller sur des jeux vidéo, je ne sais quoi, même si je crois que tout est bloqué normalement. Peut-être qu'elle va lui montrer les autres classes. Donc là, c'est la salle des sciences, c'est la salle de musique, même si c'est pas toujours très respecté. Et ici, c'est la salle d'art. Et elle va nettoyer, tiens, cette petite blague qui a été faite, peut-être par Lilith, on sait pas. Et après ça, il va la remercier quand même, complimenter, voilà. Elle lui dit en tout cas merci de m'avoir présenté tout ça. Elle dit pas de rien, de toute façon j'avais pas trop le choix. Et maintenant elle va rentrer. Angela est rentrée et donc pour vous montrer un petit peu, c'est un peu plus cool que d'habitude niveau heure des repas. Comme vous le voyez, Daniel prend un bain. Je crois que Lilith est en train de prendre sa douche aussi. D'ailleurs après tu te mettras en pyjama. Et donc en effet pour vous expliquer, vous le voyez peut-être, on n'a pas la maman dans le foyer. Marisou n'est pas là. Tout simplement en fait parce qu'elle est en déplacement. Ça faisait partie de ses missions en acceptant le poste à Copperdale qu'elle aurait parfois des déplacements à faire en ville. Donc en effet, voilà, c'est encore la période des fêtes. Donc c'est pour ça que vous voyez encore le sapin. Hein. Ça fait que quelques jours que Noël est passé. Mais elle vient de partir pour ce début d'année pour un déplacement professionnel. Donc elle a fait appel à une ancienne femme de ménage qu'elle connaissait. Alors c'est possible, je l'ai pas intégrée au foyer, mais c'est possible que vous croisiez à un moment donné une dame. C'est normal, c'est la femme de ménage. Je pense que Marisou, elle fait pas forcément très confiance à ses filles pour faire le ménage. Surtout maintenant avec un petit toutou. Qui est je ne sais où, il va arriver, de toute façon on l'appelle pour manger, mais avec tout ça, ça va faire un petit peu de bordel dans la maison, je pense qu'elle préfère assurer le coup,
vu qu'elle est partie pour une semaine, je crois. On voit qu'elle est pas là, il n'y a pas de reste, il est plus de 20h, personne n'a mangé, je crois. Je pense que tout le monde va se faire son petit truc, peut-être manger un repas rapide pour tout le monde. Ouais, je vois bien faire ça. Donc toi, tu vas prendre de jambon fromage, voilà. Lilith, est-ce qu'elle a faim? Non, elle a pas faim, bon, je pense qu'elle a déjà grignoté, elle. Elle va peut-être... Bon, ouais, elle va aller avec sa sœur quand même pendant qu'elle mange. Vraiment pour l'embêter à ce moment-là. Pour lui dire genre, alors comme ça, t'as dû présenter au nouveau. Il est comment? C'était pas trop chiant, tatatitatata. Je la vois bien la taquiner, ouais, drôle. Faire une imitation, ouais, elle va imiter sa sœur. Quand elle a appris qu'elle devait guider Kevin. Angela réagit pas trop. Elle coupe un petit peu court à la conversation, Angela. Elle va faire sa vaisselle et aller se laver. Et puis Lilith, bon, on la connaît, elle va pas faire ses devoirs. Donc elle va faire plutôt un pipi. Je vais remettre la guitare ici. Et puis après, bah, je pense qu'elle va jouer de la guitare justement. Ou peut-être elle va appeler Dirk. Ouais, je vais la faire s'asseoir et appeler Dirk quand même. Angela monte, qu'est-ce qu'elle va faire? Je sais pas. Non, tu vas pas aller là, c'est la chambre de ta sœur. Tu vas... Bah, aller aux toilettes aussi, prendre ta douche et faire tes devoirs. Oui, c'est vrai. Alors, en effet, il y a pas mal de peurs qui se sont développées. Celle-ci, on l'avait déjà. Par contre, les deux ont la peur maintenant du feu. Parce qu'en fait, il y a eu un petit incendie quand j'ai joué toute seule avec elle. D'ailleurs, c'était n'importe quoi. C'était Noah, un élève du lycée, qui est venu faire un barbecue ici dehors. Et il y a eu un feu. Donc, génial. Donc, elles ont cette peur maintenant. Et je sais pas comment enlever toutes ces peurs, même avec un code. C'est un peu chiant. Mais je crois qu'on peut les désactiver, mais j'ai quand même voulu les laisser. Je verrai bien si je les laisse par la suite. Et peur du noir, je sais même pas pourquoi elles ont eu ça. Je crois que c'était la même nuit où il y a eu un feu, qui était dans la nuit. Ça a développé aussi peur du noir. Et je crois que Lilith a pareil. Ouais, Lilith, elle en a vraiment plein. Peur d'échouer au contrôle, peur du noir, peur des devoirs. Oh non. Elle dort déjà? Non, je pense que je vais la faire jouer un petit peu quand même. Ouais, s'entraîner. Et par contre, le padre est parti dormir. Ouais, ça m'étonne pas. Ah, il y a le petit tapis qui vient la voir, c'est trop chou. Ah bah il est reparti aussi vite. Il a vu qu'elle était occupée, il s'est dit non, moi j'ai envie qu'on s'occupe de moi. Et ici, faire une promotion croisée dans un endroit, aller à un endroit non résidentiel puis faites une promotion croisée à l'aide de l'application entreprise de téléphone. Bah elle le fera peut-être demain si c'est ça à l'auditorium pendant la journée d'orientation. Faut que j'y pense. Minuit approche, je vais aller faire dormir Lilith, mais d'ailleurs pendant que Angela finit ses devoirs, je vais vous montrer les photos qu'on avait prises déjà au moment d'Halloween, et depuis j'en ai repris d'autres, alors attendez, hop, ici, on a Angela et Ash, trop chou, ensuite on a ici encore Angela et Ash quand une fois elle était venue à la maison, et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on en a une ici aussi. Voilà, bon, elle est un peu sombre cette photo, c'est un peu dommage, mais c'est Dirk et Lilith, ça devait être à la fête foraine aussi. Et je crois qu'il n'y en a pas d'autres ici. Par contre, il y en a en bas, celle des sœurs. Je pense que l'une et l'autre, elles n'ont pas voulu les mettre dans leur chambre, donc elles l'ont laissé aux parents. C'est Angela et Lilith à Halloween. Et une dernière, ou plutôt des dernières, voilà, dans la chambre d'Angela cette fois. On a celle de la dernière vidéo au moment de l'événement des Pom-Pom Sims. Donc avec Cassandra, et puis bah Angela toute seule justement. Ah oui, puis il y en a une ici, donc c'était Halloween, Angela et Angèle, sa copine. Les devoirs finis, elle peut maintenant aller au dodo et on se retrouve jeudi. Alors il est 6h30, nous sommes jeudi, le papa ne travaille pas aujourd'hui donc je vais le laisser un peu dormir. Il fera ce qu'il veut de sa journée et donc on a Lilith qui dort encore mais je vais la faire se lever parce qu'elle a très faim. Tu vas venir ici. Et tu vas faire prendre un repas rapide. Ah bah et puis pareil, sa sœur fait pareil, donc nickel. Après elle va peut-être donner à manger au chien et je vais faire venir Kevin sur le foyer, comme ça on pourra aller ensemble au lycée. Alors ça y est, sélectionner les élèves à suivre, on les prend tous les trois et on part au lycée. Ils sont bien arrivés au lycée et il neige vraiment beaucoup en ce moment. Je pense que je vais leur faire une bataille de boules de neige dans la journée à un moment, c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Ah bah réviser pour les examens, ouais parce que c'est demain, donc je vais peut-être faire ça. Réviser pour l'examen, et Kevin je pense qu'il va aller au foyer, je le vois bien peut-être faire une partie de baby-foot avec Noah, et puis Lilith elle est toujours énervée. Alors Lilith tu vas aller te calmer quand même, parce que de bon matin comme ça tu vas pas nous saouler. Voilà, tranquillement, il est 9h20, ils jouent tous les deux au baby-foot de bon matin. Je trouve ça trop chouette.
Le cours commence dans une demi-heure. Donc par contre, faudrait peut-être vous... Ah, Lily, t'es triste? Bon bah t'as pas le temps de te reposer, tu repars tout de suite. Il fait tellement froid que les filles, elles ont leur manteau en cours. Les bonnets en plus, normalement c'est interdit. Ok, ça a sonné. Je pense que Kevin, il va peut-être... Ouais, il va manger avec Angela. Je vois bien, genre, Angela allait manger. Et ensuite, il se met à sa table. Ouais. Ah, et bah c'est maintenant la journée d'orientation. Ok. Bon bah finalement, c'est entre les midis. Je pensais pas. Je pensais que c'était en fin de journée, mais apparemment non. Ah bah les trois sont là, nickel. Et donc bah si c'est ça, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Elle est ici ensemble. On a ici la carrière militaire, je pense. Ici, on a cuisinier. Ouais. Et ici, enquêteur, je dirais. Demander des détails sur les carrières aux professionnels en visite. D'accord, et comment on fait ça? Ah voilà, demander des détails. Kevin, il l'accompagne, mais je pense qu'il s'en fout un peu. Discuter, ouais voilà, discuter avec Wolfgang, c'est très bien. Ah, ça y est, elle demande les détails. Ok, ça c'est fait. Je vais essayer de faire les trois dans l'heure. Donc sinon, voici la déco de la personne qui a fait l'auditorium version orientation. Bon, je pense de toute façon, automatiquement, ça se met un peu comme ça. On peut pas tout choisir. Mais ça va, ça passe, on va dire. C'est pas ouf, mais ça passe. Ça y est, elle l'a fait à deux. Et maintenant, au dernier. Mais je sais pas si ensuite, il y a autre chose à faire, s'il y a un test ou quoi que ce soit. Il y a que des pancartes, en fait. Voilà, c'est bon. Discutez de l'avenir avec votre professeur. Et il est où, notre prof? Ah, elle est là. Ça y est, c'est fait, mais on n'a rien d'autre. Ok. Ah oh bah, elle est sur son téléphone. C'est trop ça. Ouais, bon, cette journée de l'orientation, c'est pas dingue. On a connu un peu mieux. En plus, ils ont pas eu le temps de manger avec tout ça. Ah si, eux, oui, mais Angela, elle a pas eu le temps. Ah, et du coup, ils avaient pas cours aujourd'hui? Ah oui, ok, la journée, elle est finie. Ils avaient pas cours cet après-midi. D'accord. Mais ça leur donne pas un rendu? Du style, bah toi tu serais plus ci ou ça. Ici ça me fait penser à la série Ici tout commence, je sais pas si vous regardez, l'école de cuisine. Donc là normalement il y a Emmanuel Tessier qui débarque ici et qui pousse un coup de gueule. Je vais faire bataille de boules de neige avec les deux, tiens. Ah non, Angela elle est partie à son entraînement. Bon, et ben en attendant, voilà, bataille de boules de neige entre Kevin et Lilith. C'est un peu atypique, hein, je m'y attendais pas, mais bon. Après tout, c'est sa façon, elle, de se calmer un peu, parce qu'elle était énervée, comme toujours. Il y a la journée de football américain. Ouais, mais non, ça, c'est trop... En fait, c'est la même chose que Pom Pom Sims, mais... Ouais, non, on va pas le faire. De toute façon, j'ai pas ça dans mon foyer de personnes qui font cette activité. Il est 17h30, donc Angela, je vais la faire revenir ici. Donc maintenant, je pense que pour un petit peu... les remercier en fait de passer du temps avec lui quand même, parce qu'il vient d'arriver et connaît personne, il va tout simplement leur proposer de venir chez lui. Il s'en fout un petit peu, ok il est en caravane, mais de toute façon il se dit que ça finira par se savoir. Bon, Lilith, elle a pas trop forcément envie. Elle dit non t'inquiète, moi je vais voir mon copain ou je vais rentrer. Par contre Angela, elle accepte. Donc on va tout simplement emmener Angela et Kevin sur le foyer de Kevin cette fois. Les couleurs sont trop trop belles par ici, je trouve. La neige, elle est super jolie avec le... Ça doit être un coucher de soleil qui doit pas être loin. Non, je sais pas trop. Ouais, c'est la lune qui apparaît, voilà. Ça éclaire très joliment. Donc on est bien ici avec Brenda. Voilà, Brenda sec. Ici, le tout petit qui est dans la version Sims 2 et dans le bidou de Brenda. Mais moi, je l'ai fait accoucher, donc c'est Kylian. Et ensuite, on a Brandon qui lui est bambin dans la version Sims 2. Mais là, il est enfant. Donc ce terrain a été réalisé par Belle Peinte, je vous mettrai tout ça comme d'habitude en description de la vidéo, et je l'ai carrément changé, donc c'est-à-dire que j'ai ragrandi pour qu'on puisse y mettre une famille et pas juste une chambre. Je crois qu'il n'y avait qu'une chambre à la base. J'ai mis une petite voiture hein, qui pousse quand même, qui traîne la caravane, et j'ai enlevé tout l'extérieur très joli qu'avait fait Belle Peinte, mais j'en avais pas besoin moi pour mon histoire. Sinon, voici l'intérieur. J'ai pas changé la cuisine, je crois. Ça non plus, ça l'a mangé, j'ai juste rajouté des petits jouets. Ici par contre j'ai ragrandi, j'ai fait un couloir. Et ici qui amène sur deux chambres. Donc ça je crois que c'était à la base une grande chambre. Moi j'en ai fait une plus petite avec le lit de Brenda et le lit du bambin qui s'appelle, je sais plus, Kylian. Et ensuite on a la chambre des deux plus grands. Donc en haut j'imagine que c'est Kevin. Mais bon,
Ça peut aussi être Brandon, hein, je sais pas trop, ils se débrouillent entre eux. Et ici, pour finir, on a la petite salle de bain très mignonne. Je le vois bien, genre quand même respecter sa maman, c'est juste à l'école où en fait ils s'en foutent, ça l'intéresse pas. Mais je le vois pas vraiment foutre la merde, on va dire. Oh, c'est trop chou le petit câlin. On va quand même l'inviter à rentrer. Bon, il veut quand même s'éclipser avec Angela, donc ils vont ici dans la chambre. Donc là, j'imagine que c'est peut-être celui du bas, son lit. Après, faut dire que ça serait plus compliqué d'aller en haut. Donc il va peut-être faire raconter une histoire. Ouais, je pense qu'il a été un peu attendri que, ok, elle avait pas trop le choix de lui présenter les locaux, mais qu'elle les fait quand même, et sans trop montrer de gêne ou quoi que ce soit, même si elle a bien caché, hein, parce qu'intérieurement, c'était pas trop ça. Conversation profonde. Peut-être qu'elle aussi, elle lui pose des questions sur sa vie. Pourquoi t'es en caravane? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et écoutez, l'heure tourne, alors je pense que c'est sur ça qu'on va se laisser. Je vous présente maintenant le machinima d'Outreau. Sortie annulée. Chouette! Plus qu'à rentrer à la maison. Putain, c'est quoi ce bordel? Papa, qu'est-ce que tu fous? Mais je suis censée faire quoi? Je débarque ou je me tire? Merde, 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 Lilith réfléchit. Ok, si je m'approche d'eux, ça va pas le faire. Faut que j'aille voir Angela, tout de suite. Lilith? Tu viens avec nous finalement? Ouais. Du coup, c'est ça ta maison, Kevin? Commence pas, toi. T'inquiète, y a plus grave avec papa. Papa? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, tu vas jamais me croire. Ton cher père est en train de tromper maman avec... la femme de ménage. Kérin? Je vais les détruire un par un tous les deux. Moi qui pensais que c'était moi qui réagirais comme ça? Voici pour ce 6e épisode, j'espère qu'il vous a plu, même si la fin n'est clairement pas des plus heureuses. Dites-moi en commentaire si vous aviez pensé à ce scénario, et si oui, depuis quand. J'ai hâte d'avoir vos retours, n'hésitez pas à mettre aussi le petit pouce en l'air pour mieux référencer la chaîne, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On débriefera du comportement de Daniel dans le prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous, à bientôt !